Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information Lumière de l'info. Ici, nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales. Nous vous prions juste d'être courtois et poli. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information. Merci et bon visionnage. Le colonel Assimi Goïta et le président russe Vladimir Poutine s'unissent pour le plus grand bien du Mali. Ensemble, ils ont construit tant de choses, donc l'incroyable s'attend d'eux. D'après les informations disponibles, le missile nucléaire Satan 2 serait le plus puissant jamais conçu, et aucune technologie de défense antimissile ne serait en mesure de l'arrêter. Outre sa puissance, il serait équipé d'une technologie furtive pour tromper les systèmes radars ennemis. Son nom officiel est -28 roupies Sarmat, fabriqué pour remplacer les vieillissants missiles R-36M qui étaient surnommés Satan par les experts de l'OTAN. C'est donc tout naturellement que son successeur a récupéré le surnom de Satan 2. Le missile a une capacité d'action de 10 000 km, mettant des villes européennes comme Londres ou Paris, mais aussi des villes de la côte ouest américaine, dans sa ligne de mire. Par ailleurs, le missile pourrait contenir jusqu'à 12 têtes nucléaires, lui donnant la capacité de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du Texas ou de la France, selon les informations de la télévision russe. Vous allez aimer lire ces articles. La Zambie frappée par un séisme de magnitude 4,6. Sri Lanka, l'élection du prochain président fixée au 20 juillet prochain. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis et vos requêtes en commentaire. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye.